À Kinshasa, l'on salue la bravoure des forces des défenseurs en Ituri. L'on félicite de la montée en puissance des FARDC. D'après le commandant 34e région militaire, les éléments de l'armée loyaliste se comportent de manière professionnelle sur les lignes de front et sécurisent davantage la population. Propos tenus lors d'une marche d'endurance et de dissuasion organisée en ville de Bounia. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit des nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo pour parer à toute éventualité. Ici à la tribune officielle de Bounia, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irban, les a invités à la discipline, la mère des armées. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent que pour des raisons étourdies déstabiliser l'Iturie. En réponse, cette nouvelle unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf par les rouleaux compresseurs des forces armées dans la ville-province de Kinshasa. Victime de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.